Et bonjour à tous les amis, on se retrouve devant Loriot, au pied du pont ouest de Loriot que j'ai construit pour cet épisode. Un bon petit pont, hein, son pépère, bien massif, bien comme il faut. Hop là, et hop, ça m'a pris pas très longtemps cette affaire, donc bon, il est assez simple hein, au final. Avec l'oubli de deux dalles ici, et en fait je les ai oubliés partout, tac. On va le faire rapidement, voilà, tranquillement, tac. Hop là, donc on va aller dans la ville pour voir un petit peu l'évolution qu'il y a eu. Avec tous ces petits nouveaux bâtiments qui sont apparus, vous voyez aussi là j'ai mis un petit peu de vie, une petite livraison de bois pour le Rio, avec des petits marchands qui sont installés sur le pont pour vendre de la fourrure, de la bidoche, des outils aussi pour pêcher, une petite canne à pêche, petit marteau, un marchand qui s'en va de l'Orio avec le plein de blé pour aller ravitailler, je sais pas, peut-être un château, peut-être, une petite forteresse pour apporter à la garnison, hein, du sauciflard, du lapin, et une livraison de pommes pour les marchands de l'Orio. Et là on passe à l'intérieur du petit châtelet, châtelet ouest. Là, on voit au loin la mairie et le tribunal. Et sur la gauche, là-bas, on voit deux nouvelles maisons qui sont apparues. Plus la base de maisons qui vont apparaître bientôt. Je vais finir de les construire pour le prochain épisode. Donc on avance tranquillement. Là, je vais vous montrer un petit peu la mairie et le tribunal. C'est pas des bâtiments hyper gros. En final, enfin, ils sont grands de hauteur et tout ça, mais en largeur, en longueur, ils sont pas super grands. Je peux pas vous faire hyper grand parce que c'est pas la capitale d'un royaume non plus. Le Rio, c'est la capitale d'un duché. Ça reste un duché. Mais voilà, quand on est au pied des bâtiments, c'est impressionnant, surtout la mairie. On va rentrer directement dedans, la mairie, hop, qui est un petit peu aménagée, comme vous allez pouvoir le voir, avec ici quelques bureaux, bureau des plaintes. Là, ici, j'ai payé mes impôts. Là, j'ai acheté du poisson pas frais à la halle. Faut mettre des amendes aux pêcheurs, etc., etc. Mon voisin, 5 ans, et oui. Oui, il y avait aussi des problèmes de voisinage au Moyen-Âge. On va remonter par l'escalier pour aller au premier étage avec le petit hall d'escalier là tranquillement. On passe par un tout petit couloir pour aller dans un plus grand couloir qui donne sur la grande terrasse, voilà. Tout simple comme mot. Petite grande terrasse. Là on a une petite réserve où on met ses parchemins. Le petit bureau des assistants du maire. Très basique, très rude. Hein. C'est des petits personnels administratifs, donc ils n'ont pas besoin de beaucoup de confort. Et là, on a le petit bureau du maire aussi, tranquillement. Avec des tentures, je ne sais plus comment on appelle ça, sur les murs. Un petit peu de confort, voilà. Tout tranquillement, c'est assez simple aussi. Hein. C'est pas non plus l'empereur. Hein. Petit truc pour s'asseoir, pour se détendre. Là, on vient prendre rendez-vous avec le maire. Monsieur le maire, on va parler de choses sérieuses. Enfin bref, voilà le petit bureau du maire tranquillou. Ici, on a la passerelle pour aller au tribunal avec le petit coin promenade. Là, on voit la petite statue de protection de la ville, protecteur de la ville. Hop, on va monter à l'étage, juste rapidement pour vous montrer un peu ce qu'il y a. On passe par des tout petits escaliers. Avec, ici à droite, le petit balcon où le maire peut s'exprimer et rendre les décisions du conseil public. Et là, à gauche, on a la salle du conseil municipal. Voilà, on s'installe et on discute des affaires de la ville, tranquillement. Et de l'autre côté, on a plutôt le parlement de la ville. Voilà, la salle du parlement de la ville. Et pourquoi pas aussi des confréries, là, vous voyez.
tous les représentants s'installent tranquillement sur leur siège et débattent pendant que le maire est perché un peu sur son estrade, sur son mini trône. C'est pas un trône, mais c'est pas grave. Donc c'est assez simple, il n'y a pas beaucoup de déco, c'est normal, hein, c'est pas fait pour être ultra décoré. On pourrait rajouter quelques peintures, quelques rideaux et tout, aussi au mur, pour rendre tout ça un petit peu plus chaleureux quand même. C'est quelque chose qu'on pourrait faire, que je pourrais faire dans le futur. Ici, on a les petits bureaux d'écras de papier. Voilà, tout minuscule, vraiment les rats de l'administration, quoi. Leur parchemin, et ici on a des réserves de livres et de parchemins où il fait tout noir, mais voilà. Donc voilà une déco plutôt simple, voilà, c'est Moyen-Âge, hein. Je rappelle, il n'y avait pas de truc extravagant non plus, à part dans les palais, etc. Quand on fera le palais ducal, il y aura des choses un peu plus extravagantes, voilà. Mais là, pour l'instant, pour des bâtiments administratifs, etc., c'est extravagant dans l'allure, dans l'architecture, mais pas dans la décoration, puisque c'est censé être fonctionnel plus qu'autre chose. Et là, on va rentrer dans le tribunal qui n'est pas encore fait. Je ne l'ai pas fini avant l'épisode, parce que sinon, il serait sorti encore beaucoup plus tard. Et j'avais pas envie de le sortir la semaine prochaine, parce que c'est 2 semaines entre les épisodes. Donc là, vous voyez le petit tribunal avec la cheminée qui sera au fond. Ici, le vestibule. Une première salle de jugement. Une deuxième salle qui pourrait être le bureau du juge supérieur, du magistrat le plus important du tribunal. Alors ici, on a l'escalier. Tac, 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 on va monter. On peut retourner à la mairie. Hop, ça fait des assez grandes salles que je partagerai sûrement plusieurs salles pour qu'il y ait plusieurs salles, encore une fois, de rangement, n'importe quoi, de jugement. Ici, on fera des bureaux de gros papiers administratifs, et tout en haut, il y aura la réserve. Avec les parchemins, les archives et tout de la ville également. Et tout en haut, si on va tout en haut, on arrive sur le haut de la tour avec la vue de la ville. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a fait dans cet épisode. On a aussi fait l'autre pont que j'ai pas animé. J'ai pas mis de vie dessus encore. Ça sera fait, vous n'en faites pas. Pour le prochain épisode aussi, on va mettre des charrettes, des marchands, etc. aussi. Je l'ai un peu vieilli avec de la stone brick mossu, la stone brick cassée, des hanging moss, voilà, avec l'anglais parfait que j'ai. Donc voilà, voilà. Ici, on va terraformer un petit peu pour que ce soit un peu plus plat. Genre, on va retirer une, deux, voire même trois couches. Sur ce talus, ce sera un peu mieux, je pense, pour l'aspect global de la chose. Vous voyez, petit pont tout tranquille, pas longtemps non plus à faire. Bon, là, c'est assez simple aussi, hein, on n'a pas fait des choses hyper compliquées, mais faut les faire quand même. Faut les faire. Et j'ai aussi allongé le quartier. Hop là, on va y aller. Tranquillement à pied, donc ça on l'avait déjà fait à l'épisode précédent, si vous en souvenez. Et hop hop hop, on court, marchant, hop, et là, ici, c'est nouveau. À partir d'ici, on a la petite ruelle qui est remplie de bazar. Ah mince, avec le Better Foliage, ça apparaît, ça disparaît. Dommage, petit morceau de viande qui pend un peu partout. Avec l'hygiène douteuse du Moyen-Âge. Donc voilà, là j'ai pas continué, mais voilà, j'ai fait un petit bout de quartier. Ça fait une petite dizaine de maisons, je pense. Intérieur, c'est pas fait, hein. De toute façon, j'ai pas eu le temps de faire les intérieurs. Je les ferai aussi en même temps que l'aménagement du pont et du tribunal, je pense.
un package tout ensemble. Voilà, ça fait une petite dizaine de maisons en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 maisons en plus. Plus là, on va en faire 9 autres que je vais finir pour le prochain épisode. Je montrerai rapidement aussi ce que ça donne une fois le rendu fini. Ah, elles ont poussé les vignes. Ok. Bon bah écoutez, on va falloir les enlever à chaque fois ou quoi. Je mettrai du fil, pas qu'à pousse. Donc comme vous pouvez le voir, ça avance petit à petit, tout tranquillement, avec des maisons, vous voyez, un peu plus pauvres de ce côté-là. Parce que plus on s'éloigne du centre de la ville, plus ça sera pauvre. Là, ce sera encore beaucoup plus... Les maisons qui seront au bord de la muraille seront encore plus pauvres que cela. Ce sera fait avec essentiellement du bois et du stuc. Et encore peut-être de matériaux un peu moins nobles encore. On verra, même pour les toits, ça sera du bois. Du bois dépareillé. D'ailleurs, il faudra que je rajoute quelques planches de barcouk ou d'oak tout simplement pour rendre un peu plus dépareiller les choses. Mais ça fait un beau millimélo de toit et ça commence à prendre un peu tronchetasse là, ce petit quartier qui peut rassembler une cinquantaine de personnes pour l'instant, en partant du principe qu'on va faire une moyenne de 3 personnes par maison. Donc il y a une petite cinquantaine d'habitants pour l'instant, avec moi. C'est pas beaucoup, mais ça va très vite grimper. J'aime beaucoup la mairie, la façade de la mairie est vraiment, vraiment bien, j'aime beaucoup ce que ça rend. Et ici c'est tout plat, parce que tout simplement on va rajouter un bâtiment qui sera collé à la mairie. Alors j'hésite comme bâtiment, soit on fait une extension de la mairie un peu, on verra, mais c'est dans les tuyaux, je vais pas vous cacher, c'est dans les tuyaux, mais scoop. Ou alors on fera les halles, les halles marchandes ici, ça peut être intéressant, donc ici je sais pas trop ce qu'on va faire